sera pas cher. 2 melons, 1,50€, compte pas d'air. 2 melons, 1,50€. Ananas, ananas extra. S'il n'y avait pas de Covid, on travaillerait mieux. Les gens auraient plus de liberté de venir au marché. Tout le monde n'a pas envie de remplir l'attestation, de sortir, de se prendre 135€ si j'ai pas fait l'attestation. Vivement le vaccin, soi-disant qu'il y a plein de vaccins qui arrivent. Donc, les retours des clients, oui, on en a. Nous remercie qu'on soit là, qu'on est ouvert. J'habite pas loin du marché, de l'autre côté du pont, rive droite. Et je fais mon marché tous les mardis et vendredis. Je vis ce confinement comme le premier, quoi, aussi péniblement, mais enfin, pas tout à fait, puisqu'il y a quand même le marché, donc ça c'est une respiration quand même. Est-ce que vous pensez que les dispositifs qui ont été mis en place vous semblent corrects? Oui, on peut se laver les mains quand on rentre, il faut apporter le masque, ben, ça c'est évident, c'est normal. Du moment que le marché est ouvert, tout quoi, je veux bien mettre un masque, un casque, des bottes, des gants. C'est un endroit convivial le marché, il faut pouvoir se retrouver. Vas-y, je parle un peu toi, hein. Avec ouais. Ça madame. 1,19€ s'il vous plaît. On est dans une situation dangereuse, on sert les clients pour la monnaie, l'argent, tout ça, on donne le sac, on est en contact avec les gens. Normalement c'est nous qui servons, mais on a mis les films, pas qu'eux ils touchent, mais c'est eux qui servent. En plus ils veulent pas qu'on les serve. Avant le confinement, tout ça, c'était eux. En plus on rentre à la maison, même si notre famille est en confinement, ça me fait peur parce que dès qu'on rentre à la maison, il y a les enfants, tout ça, on ramène le virus à la maison ou quoi. Merci à vous.